Dieu, comme ils vont regarder. Ah, je la kiffe cette nouveauté là. Ah, pas déçu de mon achat. Ah oui, là. Vache. On dirait un gros V8 américain. Bah non, c'est une Laguna. Je pense que j'ai dû faire peur à la dame à côté de moi aussi. Ah, à moins que ce soit un motard avec sa moto en réparation qui garde quand même l'habitude de saluer les motards, je ne sais pas. Heureusement qu'il a mis son clignotant, tu sais, t'as un gars qui te traîne un peu comme ça, ton réflexe c'est de le doubler. Sauf que tu vois pas qu'il y a un chemin, ça, tu penses qu'il y a qu'une route qui tourne. Ben non, c'est ça le danger. Bon bah, petit aperçu d'une moto qu'on testera prochainement, hein. Enfin, quand je dis prochainement, si tu veux, c'est peut-être dans un an, mais c'est bientôt quoi. KTM 390 RC de Ravan Bike. Alors il paraît que si je dis ça, je vais gagner 500 euros. Alors on verra bien. Non mais voilà, ça sera l'occasion de faire un petit essai. Là j'ai rien prévu. La route est un peu trempée, c'est assez gras, ça sert à rien de faire un essai là-dessus. Mais voilà, un prochain essai au moins, ça vous fait bon, un teaser, mais tu vois, pas loin. Allez, suite de la vidéo. Là j'en ai pas assez profité par exemple. Quoi. De quoi, du GSR? Non, du... Ah. Puis il a fait ce bruit-là. Vas-y, on fait demi-tour, on drage et tout. Montre l'exemple aussi, toi. Vas-y, ça part en miniature. Putaclic direct. Eh ouais, faire des vues sur YouTube. Non mais je dis ça pour le putaclic, en vrai. Si t'as cliqué sur la miniature, c'est que ça t'a donné envie de voir. Donc toi aussi, tu es responsable de ceci. Non, en vrai, moi aussi, hein, si je vois des trucs comme ça, je me dis, oh purée, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pas qu'on vienne se plaindre après, oui, dis donc, c'est un peu plus putaclic. Bah non, parce que pas tout le monde, mais il y en a un paquet qui veulent ça, donc bon, tu vois. Si tu veux un peu réussir et que ça marche, tu vois, pour comment dire, pour ton travail soit un peu plus vu, et bah voilà, t'as pour bien le choix. Même si tu fais du travail de qualité, je vais te dire, il y a certaines vidéos, j'ai l'impression que plus je les travaille, moins elles sont vues. Bon, tu vois, c'est les sons de facilité. Et c'est pas une raison pour mettre un dislike, ce que je viens de dire. C'est tout à fait vrai. Il a failli me percuter. Il a failli me percuter. Toi aussi? Je rigole pas, j'ai fait un putain d'écart. Et en voulant, en me retournant pour me percuter, j'ai failli rentrer dedans. Moi? J'ai pas vu. T'as pas vu rentrer dedans, toi? Au moment où tu t'es retourné, t'as fait comme ça, moi j'étais là. Ah. J'ai pas fait gaffe. J'ai cru que j'allais embrasser ta roue arrière. Et en plus, t'as vu le motard juste derrière, il fait la même chose. Ah bah oui, non mais... Putain, mais c'est un gros taré. En plus, tu nous vois arriver, quoi, à un moment donné. Y'en a marre de ce GPS. Ah, po. Ben voilà! Oh, regarde, je te l'avais dit! Ah! Honda! Si vous désirez une belle pelouse, le green, il y a quelques règles élémentaires à respecter. Eh ben mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende.
pas superstitieux, mais un canard blanc comme ça qui nage à la surface, je pense que c'est un signe. Trop de puissance. Ça pousse. Oh, le cochon. Oh, le cochon.